Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 4 janvier 2022. Toujours avec l'oracle aquarelle et les autres jeux que j'ai utilisés hier. C'est parti, donc aujourd'hui nous allons avoir la carte numéro 4, hein, évidemment, qui était l'une des enfin, c'est qui était la carte de la première résultante d'hier. Donc c'est les responsabilités, le poids du pouvoir personnel, le poids des décisions, le poids du positionnement. Encore une fois, une journée sous le signe de « vais-je choisir de vivre les choses d'une manière positive ou vais-je choisir de ne ressentir que le poids de ces responsabilités, le poids de certaines contraintes, on va dire, de certaines contraintes. » C'est accompagné toujours avec la carte numéro 1 qui est le commencement. Voilà. Moi, j'y vois aujourd'hui le fait de qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Comment je choisis, moi, de commencer ce cheminement? Comment je choisis de commencer cette année? Est-ce que je la ressens en... J'ai beaucoup de choses à faire et c'est difficile pour moi, ça va être une contrainte et c'est un moment compliqué. Ou est-ce que je décide de le voir comme... Eh ben, je vais avoir des responsabilités, mais au moins, les choses seront faites comme je le sens et c'est pour un objectif... en fait, que j'ai et qui c'est pas forcément qui est plus grand que moi. Je vais allumer la lumière, peut-être qu'on verra mieux. Alors, je vais vers les stores, c'est déjà mieux. Donc, comme je vous disais, pour moi, on est sur comment je vais décider de voir les choses, en fait. Hein. Si je décide de les voir positivement, ça peut être, écoute, je vais porter des trucs, je vais devoir faire, je vais devoir prendre des décisions, je vais devoir faire les choses pour moi. Ok. Ça peut parfois, de temps en temps, m'être un petit peu difficile, mais en même temps, c'est un renouveau. J'avance sur un chemin peut-être inédit, peut-être pas forcément balisé, on va dire. Hein. En tout cas, voilà, je n'en connais pas encore tous les ressorts, mais j'ai envie d'explorer, j'ai envie de faire une sortie de zone, vous voyez. Et dans une sortie de zone, on a toujours besoin d'une sorte de filet de sécurité. Et cette carte-ci, c'est aussi le filet de sécurité parce que quelque part, cette chaîne qui peut être une contrainte, qui peut être lourde, qui peut être enserrante, peut être aussi un lien sécurisant, en fait. Hein. Peut être aussi une sorte de bouée de sauvetage, une sorte d'ancre pour revenir un petit peu sur nos pas, vous voyez. Comme les pétales de rose sont, comme le petit pousset, une forme d'encre, en fait. Hein. Je peux revenir sur mes pas, en fait. Hein. Donc 4 plus 1, ça nous donne 5, et ici nous avons la légèreté. Je pense qu'aujourd'hui nous allons finir par choisir dans cette journée la légèreté, nous allons finir par choisir cette sortie de zone, et s'alléger l'esprit en nous disant, de toute façon, je me sens poussée vers cette sortie de zone, je me sens poussée vers le fait de prendre des décisions qui changent un petit peu les choses, qui changent parfois radicalement les choses, mais parfois juste un petit peu. Et je sens que c'est nécessaire. Je sens que j'ai besoin de cette légèreté. Je sens que j'ai besoin de ce renouveau un petit peu enfantin et en même temps très rafraîchissant et très apaisant. Et comme ce moment... En fait, je pense qu'on aura tous besoin, dans cette sortie de zone, d'un moment en suspens où on se dit « Ok, d'accord, c'est maintenant. » Voilà. Et juste de ce petit moment-là, en fait. Vous voyez, entre deux moments d'action, hein, parce que la tergiversation est une action, quelque part, hein, et le fait d'entrer dans le vif du sujet, c'est aussi une action. Ce petit moment suspendu où on se dit « Ok, je vais y aller, ça y est, c'est décidé. » Et ce que ça nous fait à l'intérieur, ces petits papillons. Voilà. Et donc 5 plus 6 de l'année donc 2022, ça nous donne la carte 11, et ça nous donne la carte de l'aide. Aujourd'hui, pour moi, on est sur une journée... qui peut commencer un petit peu, on va dire un petit peu d'une manière à se questionner, vous voyez. Oh là là, est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que... Et puis finalement, on va se lancer dans cette journée avec beaucoup plus de légèreté que ce qu'on aurait pensé. Peut-être parce qu'on va trouver de l'aide. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à demander, à solliciter de l'aide, en fait, des conseils. C'est pas forcément de l'aide concrète, mais ça peut être juste des conseils. À solliciter quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait être une forme de petit booster, en fait, dans cette journée pour vous alléger un petit peu, en fait. Hein. Il y a cette idée-là. On va regarder avec le Normand. Là, ça fait beaucoup de cartes.
je coupe. Le trèfle et l'anneau. Ouais, on est sur une journée, je dirais, de... D'ailleurs, ça me parle, regardez, l'anneau et la couronne que j'ai représentée comme un anneau, alors que c'était pas du tout parti comme ça à la base, mais voilà. Et moi, j'ai l'impression d'un courant d'énergie positive qui engage, et j'ai l'impression qu'ici aussi, on nous parle, comme je vous ai dit, d'engagement, comment je décide. La décision est un engagement. Et pour moi, il y a l'idée de s'engager vers du positif aujourd'hui. De choisir. Parce que l'anneau, c'est l'engagement. Mais du coup, avant de s'engager, il faut choisir l'engagement. Et donc, il y a l'idée de choisir un engagement vers la positivité, en fait. Donc, hop, le bouquet. On a deux cartes qui ont sauté. Je vais les mettre comme ça. Ça m'empêchera pas de recouvrir, mais... Hop. Si elles sont venues ensemble, c'est qu'il y a une raison. Alors, quand on regarde, on voit le bouquet. On commence par le bouquet. On commence par de la positivité, cette positivité dont je vous parlais. Avec le renard et la lune, il y a cette idée de positivité qu'il va falloir essayer de voir et qui ne sera pas forcément facile à voir parce que le schéma de pensée ne sera pas forcément un schéma au départ dans cette journée, vous voyez. Face à cette positivité, on peut penser à une illusion, voyez, on peut penser, alors que l'encre au centre nous dit non, pas illusion. Les poissons et l'homme derrière nous disent abondance, possibilité d'abondance concrète, possibilité de transformer l'essai, voyez, possibilité de matérialiser la chose, parce que les poissons c'est l'argent, mais c'est aussi le flux comme ça positif, c'est la pêche miraculeuse, voyez, d'un seul coup, bah ce que je voulais arrive en fait, et je m'allège et tout va bien. Au niveau des émotions, les poissons, c'est aussi un symbole d'émotion, donc. Et avec l'encre, c'est pas des émotions perturbées, c'est plutôt des émotions apaisées. On aurait eu peut-être la verge, ou peut-être même le chemin aurait pu nous parler d'émotions contrariées, d'émotions un petit peu où on ne sait pas trop où on va. Là, on a l'encre. L'encre, ça pose les choses, en fait. Hein. Si l'encre se pose... Tout va bien, on va pas poser l'ancre en pleine tempête, vous voyez, on va essayer de ne pas casser ces amarres. Hein. Du coup, il y a l'idée de que si on pose l'ancre, c'est qu'on peut, en fait. C'est que là, c'est possible. Et donc que cette abondance et ces émotions seront positives et prospères, j'ai envie de dire. Voilà. Et concrètes, surtout. Mais pour ça, il va falloir décider, en fait, de ne pas se laisser influencer par la lune qui peut nous illusionner ou qui peut nous dire « Attention, c'est peut-être un mirage. Attention, c'est peut-être une illusion. » Non, ce n'est pas une illusion. Alors, ne laissez pas passer ces opportunités de positivité. Donc, je vais tout recouvrir. Je recouvre le bouquet par la femme, le renard, la lune par le cavalier, l'ancre par le bateau... Le poisson par la maison et l'homme par le serpent. Alors, si je ne fais attention qu'à cette deuxième ligne, on a la femme, le cavalier, le bateau. Moi, c'est les trois cartes qui me percutent en premier. On a vraiment cette idée de choses qui bougent, mais à l'intérieur de nous. On a cette idée de mouvement. On a cette idée de transition, en fait. Hein. Deux fois qui se suivent des cartes de mouvement, c'est quand même une transition assez importante qui est encerclée par la maison et la femme qui font écho toutes les deux au fort intérieur, à ce qui se passe en nous. Effectivement, le serpent nous dit c'est une mutation, c'est une transformation. C'est quelque chose qui est... Ça peut être en lien, encore une fois, avec la santé, pas forcément. C'est surtout en lien avec ce qui se passe en nous, c'est-à-dire qu'il y a comme l'idée de quelque chose qui mute, de quelque chose qui se sépare de son ancienne peau, peut-être devenue trop juste, pour essayer d'être plus à l'aise, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des choses vont bouger en nous et qu'on va avoir peut-être des... pas des déclics, mais qu'on entame un processus de libération, je dirais, de libération. On a, quand on regarde les colonnes... Le bouquet et la femme, moi j'ai l'impression que c'est un courant d'énergie positif et qu'on a envie d'aller vers cette positivité, qu'on a envie de générer, mais aussi de recevoir cette positivité, mais que c'est pas toujours évident parce que on a toujours tendance à se dire oui mais il faut pas que je sois naïf, oui mais il faut pas que je m'illusionne, oui mais il faut pas que
je tombe dans l'excès à ne plus rien voir parce que, ok, je veux de la positivité, mais je dois quand même me raccrocher à une certaine forme de réalité. C'est vrai. Et du coup, on est on est un petit peu en dualité aujourd'hui. On n'arrive pas trop. Il n'y a pas de stabilité, en fait, par rapport à nos choix, par rapport à où on va, par rapport à ce dont on a besoin réellement aujourd'hui. Dans le milieu professionnel aussi, ça peut être des choses qui sont complètement instables, même s'il y a un courant d'énergie positif et qu'on sent que ça va vers ce qu'on veut, et ben il y a quand même des petites peurs, il y a quand même des petites réminiscences comme ça qui nous disent oui mais et si, imagine que. Et du coup aujourd'hui on fera le va-et-vient entre cette envie de positivité et en même temps voilà, cette problématique de l'instant, en fait. On va pas se mentir que la période n'est pas des plus faciles, on va dire, hein. Au centre du tirage, on voit quand même que les choses iront dans le bon sens, parce que pour moi, l'ancre et le bateau, on voit qu'il y a un mouvement. C'est-à-dire que ce qui est ancré, les décisions qui sont prises aujourd'hui, peuvent encore bouger, d'accord, mais c'est plutôt positif parce que ça veut dire que c'est ajustable, ça veut dire qu'on n'est pas enfermé, comme ici, voilà, on aura choisi justement de ne pas s'enfermer, de s'enchaîner en fait, plutôt d'accepter de devoir prendre des décisions régulièrement ou de devoir se positionner régulièrement. Ce sera très abondant, il y a vraiment un apaisement émotionnel par rapport à ça. Une fois qu'on aura compris qu'on n'est pas enchaîné, mais plutôt qu'on a choisi de se lier et que les choses peuvent encore bouger et que le lien est encore ajustable, qu'on a du mou en fait, hein. Eh ben, on va s'apaiser, on va se tranquilliser, et du coup, ça va mettre de la positivité en nous, malgré cette situation concrète qui est compliquée et qui n'a pas fini, je pense, de nous mordre. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais l'important, c'est que nous, dans notre façon de voir les choses, on ait compris qu'on est acteur, et qu'on n'est pas obligé de subir de manière silencieuse. Non, on est acteur. Et on peut faire les choses pour nous, en fait, dans nos vies à nous, voilà. Alors, nous avons cette carte-ci, la carte conscience. Elle nous dit, pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut !